Salut à tous les glitchers, ou pourrais-je dire salut à tous les hackers. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Modern Warfare 3, donc après le release de la map Black Box, puis ensuite Kedum, donc alias Sanctuary, nous avons maintenant accès entre guillemets aux cartes terminales et les autres cartes futurement leakées, si on pourrait dire en anglais, par Activision. Donc une erreur de leur part, ceci est fait grâce à un bug. Et oui, grâce à un bug, on a enfin découvert comment obtenir ces cartes. Bon, je vous cache pas qu'il faut vraiment avoir un gros coup de chance. Donc là, vous voyez la carte offshore maintenant. Donc avec en plus le même fond que la carte Kedum qui avait été découverte il n'y a pas si longtemps que ça. Donc ces cartes, je suppose très fortement qu'elles vont prochainement sortir. Car tout simplement, Black Box, nous vous l'avions montré, elle est sortie. Kedum pas encore, mais là elle est sous le nom de offshore. Donc je pense que ça devrait pas trop tarder. Et voici une troisième carte du nom de décommission. Donc ces cartes, vous pouvez les avoir soit en rejoignant une personne qui est dans une accueil et qui a justement cette carte. Vous quittez, vous allez en partie privée, vous l'avez. Naturellement, vous pouvez pas la lancer. Si vous changez de carte, vous l'aurez plus. C'est un genre d'infection, si je pourrais dire. Mais je vais vous montrer dans quelques secondes comment réaliser ce glitch et comment peut-être avoir la chance d'avoir ces cartes. Vous voyez, quand vous les lancez, ça dit qu'elle est soit corrompue, soit vous l'avez pas. Quand vous êtes dans ce menu, où est-ce que vous avez le choix entre opération spéciale, campagne et multijoueur, vous lancez le multijoueur, cela va de soi. Donc là, il y a des petits chargements et tout. Donc moi, personnellement, j'ai été dans le PSN, même dans ce chargement. En fait, le bug consiste à, lorsque vous cliquez sur jouer en ligne, vous appuyez sur la touche PS directement. Et puis donc, ça va faire un peu laguer votre PS3, si je puis dire ça. Et puis, donc, dès que vous allez voir comme ceci, voilà, vous pouvez aller en partie privée, vous enlevez le bouton PS et là, vous voyez, par exemple, j'ai le nom de la carte Titan avec le fond de terminal. Donc, c'est comme ça que le glitch est fait, entre parenthèses. Hein. Donc là, vous pouvez voir qu'il me manque des cartes. Ben non, il ne manque pas des cartes, mais il n'y a pas les écritures en bas, les groupes sont un peu glitchés, vous pouvez même avoir des cartes qui n'ont pas de miniature. C'est un gros bug du jeu. Et en faisant ça, donc, vous pouvez avoir accès à même d'autres cartes que je vous montre aujourd'hui. Hein. D'ailleurs, ça se trouve, il y en a bien d'autres, mais bon, j'ai juste réussi à trouver celle-là. Mais vous allez voir en fin de vidéo un petit bonus des cartes que vous pouvez avoir la chance d'obtenir. Car la carte la plus fréquente, quand même, c'est Terminal. Mais on ne sait jamais, hein, à vous de tester. Merci de laisser un petit commentaire, jamais vous réussissez à trouver d'autres cartes, ou même prendre une photo, ou je sais pas quoi, ça peut toujours être fun à montrer. Et là maintenant, vous voyez les cartes disponibles. Boardwalk, voilà. Offshore. Donc offshore, elle a l'air vraiment pas mal. Ensuite, on enchaîne sur la carte Gulch. Et pour terminer, la carte Parish. Donc voilà, donc ça fait très exactement 7 cartes, je crois. 7 nouvelles cartes que potentiellement vont sortir, et je pense que c'est bientôt fait. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo rapide vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, bye tout le monde.